Salut, je vais vous donner une petite technique pour la mission Dugan pour le casino. C'est ça, je crois que c'est... Enfin bref, le titre de la mission est dans le titre. Il y en a qui meurent souvent et c'est chiant. Du coup, j'ai décidé de faire la mission tout seul et j'ai trouvé une technique. Bah, c'est un mal pour un bien. Seul ou à plusieurs, hein. Normalement, à plusieurs, on devrait même y arriver encore mieux. Donc, bref. Vous pouvez vous approcher avec votre véhicule jusqu'ici et puis après... Allez, jusqu'aux deux mecs qui sont vers la gauche. Là, il faut vite les tuer lorsque la caméra regarde à côté, puis après détruire la caméra, et puis le mec à côté, il n'entend rien. Donc ça, c'est bon. Il faudra faire gaffe au véhicule. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre là et puis d'attendre que le véhicule arrive et puis de tirer sur le mec. Ensuite, comme il y a deux véhicules, je vous conseille aussi de rester ici et puis d'attendre du coup l'arrivée du deuxième véhicule. Faites gaffe à leur déplacement et puis essayez de les tuer quand ils sont pas vus par des caméras. Parce que des fois, l'erreur est vite faite. On fait pas forcément gaffe et voilà. Les trois derniers de l'entrée, je vous conseille de les tuer à la fin, parce que c'est ceux qui sont les plus durs à tuer. Disons qu'en fait, ils vont avoir plus de facilité à vous remarquer en fait. Donc, il faudra faire le tour pour pas qu'ils vous voient.
Il y a un gars qui est protégé par une caméra qui est juste derrière lui. Et il y en a un autre qui, pareil, a une caméra qui est sur lui, mais un peu plus loin. Donc lui, en l'occurrence, on pourra le tuer plus facilement parce que la caméra est plus loin. Donc la caméra pourra être détruite avant. L'autre, il sera tué à la fin parce que la caméra est juste derrière lui et voilà. C'est trop dangereux. Et là, faut aller particulièrement vite parce que les mecs nous remarquent et la caméra là était à 2 doigts de sonner. Donc après, comme j'avais tué tout le monde, je sais pas si ça aurait eu un impact vraiment, mais bon, dans le cas où, au cas où, voilà, j'ai quand même détruite. Et après là, il y a 2 mecs qui spawnent. C'est super simple. C'est vraiment 2 mecs. Hein. Je rigole pas. Et après, il y a les hélicos qu'il faut pourchasser, donc là, lance-missile, minigun, j'ai essayé, mais ça marche pas des masses. Sinon, sniper. Donc ça c'est une technique que vous pouvez faire seul ou à plusieurs, mais c'est une technique qui marche. C'est simple et ça marche. Voilà. C'était juste un petit tuto comme ça. Il y en aura d'autres. Abonne-toi pour du contenu divers et varié sur GTA. Salut!